Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve toute seule. Je parle un peu doucement parce que je vous explique. Donc, en gros, aujourd'hui, on est dimanche et avec Eva, on doit tourner des vidéos. Sauf que là, je suis pas maquillée, rien. Et moi, je lui ai dit, bah, va te préparer. Et moi, je vais me préparer de mon côté. C'est pour ça que je me suis pas encore maquillée, sinon elle allait cramer un peu. Donc je lui ai dit va te préparer, après je me prépare et après on tourne des vidéos. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que... Ce que je vais faire, c'est qu'en fait elle est à la douche, donc elle est en train de se préparer tout ça pour qu'on puisse tourner les vidéos. Et moi je vais prendre une poule parce qu'on a des poules à la maison, je sais pas si vous savez, mais on a 4 poules à la maison. Et moi je vais en prendre une pour la mettre... dans la salle de bain pendant qu'elle se douche en fait. Eva a la phobie des poules. Alors je sais pas pourquoi, mais vraiment s'il y a une poule qui l'approche, elle a trop peur. C'est comme les gens qui ont la phobie des araignées, des pigeons, des serpents, j'en sais rien. Elle vraiment genre c'est les mouches et les poules. Donc du coup j'ai décidé de prendre une des poules. Bien sûr, aucune poule ne sera maltraitée dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas, je vous le garantis. En plus, si ma mère elle apprend ça, elle me bute parce qu'elle tient trop à ses poules. Genre, limite, elle les aime plus que nous. Et bref. Donc du coup, je vais prendre une des poules et je vais la mettre dans la salle de bain pendant que Eva se douche. Et on va voir sa réaction. Mais du coup, je pourrais pas filmer à l'intérieur parce qu'elle sera en train de se doucher, mais au moins on va entendre parce que je pense que j'en rigole déjà. J'ai juste peur que bah, ça aille trop loin et qu'elle fasse une crise ou je sais pas. J'avoue, j'ai un petit peu peur de ça quand même. Mais bon, on verra. Donc c'est parti, je vais aller en piocher une et je vais la mettre. Attendez, j'écoute. Là. Je sais pas si vous entendez, mais moi j'entends l'eau. Elle est en train de chanter, bref, ce que tout le monde fait. Je vais pas trop parler. Donc c'est parti, venez avec moi, on va piocher une poule. Voilà ma petite poule, hein? Petite poule. J'espère qu'elle est pas méchante celle-là. Oh, oui. Moi aussi j'ai un peu peur. Hein. Bon, elle a l'air d'être calme. T'inquiète pas, après je te donnerai à manger, ok? Déjà ce matin. C'est moi qui les ai nourris, je leur ai donné du poulet. Oui. Vous vous êtes mangés vous-même. En plus, elles se battaient, hein. Et c'était bon, hein, t'as vu? Quand nous, on vous mange, là. C'est bon, hein, le poulet. Le poulet, c'est trop bon. Le poulet, c'est trop bon. Je vous jure, comment ils mangeaient le poulet. Bref. Donc c'est parti. Ok. C'est parti. J'ai peur qu'elle me fasse caca dessus. Mais j'espère que ça va le faire. C'est parti. Les amis. On est dehors. Donc je peux pas filmer à l'intérieur. C'est parti. J'espère qu'elle a pas fermé la clé. Elle va s'en rendre compte. Elle va s'en rendre compte. Je peux et même éteindre la lumière. Mais ça va, c'est bon, c'est rien. Mais mon rêve! Mais t'as
J'étais même pas sortie de la douche. Allez, après je vais être avec elle. Attendez, je vais déposer la petite poule. Donc ça va? Tout va bien toi? Oui, je pense que tout va bien. Elle l'a pas approchée. Je vais la redéposer. Bon, ça y est, guys, je viens de déposer la poule dans le... J'entends Eva qui est en train de se sécher et qui va arriver. Donc ça y est, j'ai déposé la poule. J'ai trop peur de sa réaction. Là, elle me déteste, je vous le dis. Elle me déteste. Je pense même qu'elle va plus me parler, mais on doit tourner des vidéos aujourd'hui. Donc elle est obligée de me parler de toute façon. Et puis ça va, j'ai rien fait. Enfin, la poule, elle l'a pas touchée. Eva? Mauvais signe. Mauvais signe. Je vous le dis. Tu te prends pour qui? Non mais tu te prends pour qui? Ouais. Sincèrement. Non mais c'était juste pour filmer, genre ça va. Vous faites ça pour une vidéo, genre tout va bien. On fait tout pour les vidéos de toute façon. On s'en fout. On s'en fout de ce que les gens y pensent. Non mais si c'est vrai. C'est vrai. On fait tout pour les gens, on fait tout pour la vidéo. Voilà. Est-ce que la poule elle t'a touché? J'ai même pas envie de parler avec toi, Néline, là, vraiment. Sincèrement. Mais j'ai rien fait. Je pense que j'ai jamais détesté. T'étais dans la douche et la poule était dans la salle de bain. D'accord, t'éteignais la lumière. Oui, c'est parce que c'est pour te faire peur. Déjà que je suis avec une poule, elle m'éteint la lumière. Arrête un peu. Tu sais très bien que j'ai peur. Tu sais très bien que j'ai peur. Tu sais très bien. Mais c'était drôle, franchement, c'était drôle. C'est même les gens, ça va pas leur faire rire, hein. Mais je te jure que ça fait pas rire en fait. Y'a que toi que ça fait rire. C'est même pas drôle, y'a rien de drôle là. Franchement, je suis très énervée. J'ai pas du tout envie de parler, j'ai pas envie que vous filmiez d'ailleurs. Donc si vous pouvez éteindre cette caméra vite, ce serait bien. Moi, tu sais que vraiment, je te parle plus, hein. Bah, de toute façon, on doit faire des vidéos aujourd'hui. Bah, j'en fais aucune. J'en fais aucune et je te parle pas. Moi, je parle pas aux gens comme ça. Vous êtes fous, mais vous êtes fous, mais vous êtes fous. Mais tu rigoles en plus, Negin, vas-y. Est-ce que j'ai rigolé? Oui, tu rigoles. T'éteins la lumière. Bah oui, mais t'étais dans la douche. D'accord, ok, vas-y, tu veux faire le prank. Encore, tu veux faire le prank. La personne, elle crie 10 secondes, t'ouvres la porte. Tu m'as laissé 5 minutes. Non. Tu m'as laissé au moins 2 minutes dedans. 2-3 minutes. Pourquoi faire? C'était drôle. Pourquoi faire? Les 10 secondes étaient assez drôles. À un moment, c'était plus drôle. À un moment, c'était chiant, en fait. C'est bon. Non mais là on va faire une vidéo non, là. Non, on va rien faire du tout. Bah si, on est obligé. Mais en fait, t'éteins pas la caméra toi en plus. Non mais je rigole pas. Mais, il faut qu'on le fasse pour fais-le pour tes abonnés. Ouais d'accord. Tu vas pas faire la vidéo pour moi. Mes abonnés ils comprennent très bien. Bah non, là t'es égoïste, je pense qu'à toi. Il y avait une poule, la poule elle était dans le salon, j'étais toute seule à la maison, je me suis enfermée dans ma chambre, juste alors qu'elle était dans le salon dans un carton. Donc me la mettre dans la salle de bain, ça se fait pas. Voilà, c'est tout. Mais en plus elle était dans le carton et t'as pleuré la dernière fois. Voilà, j'ai pleuré, j'ai fait une crise d'angoisse. Elle nous a appelé et tout, ah oui, faut que je vous raconte ça. On a une poule qui était malade et je vous ai dit, ma mère elle tient grave à ses poules et tout, donc dès qu'il y en a une qui va pas bien ou qui est malade et tout, bah elle l'emmène à la maison, elle s'occupe d'elle et tout, bref. Et en fait il y en a une qui était à la maison, moi j'étais pas à la maison, mon père était au travail et ma mère et Diana elles étaient allées faire les courses, je sais pas trop quoi, bref. Donc en fait... Eva, elle était toute seule à la maison.
Et en fait, elle commence à m'appeler en pleurs. Moi, j'ai eu trop peur. Je me suis dit, oula, mais il s'est passé un truc, il y a eu quelqu'un, je sais pas. Elle me dit, ouais, je peux pas sortir de ma chambre, il y a la poule dans le salon. Alors que la poule était dans le carton, elle était malade, elle était Non, c'est couchée. qu'elle cou elle courait, enfin, elle Non, essayait de elle n'est pas sortir. sortie Elle du essayait de carton. sortir. Elle n'est pas sortie du carton, elle avait mal aux jambes et tout. Je sais pas ce qu'elle avait, mais elle était malade, bref. Et du coup, en fait, elle est restée pendant 4-5 heures dans la chambre enfermée Non, alors mais qu'elle là, crevait la dalle. Hein. Elle avait trop là, faim, derrière elle la allait faire un porte. malaise parce qu'elle Derrière avait la rien porte, mangé. là. Non. J'étais pas là, hein, je tenais la porte. Non, mais tu te fous de ma gueule là. Ah non. T'es malade, hein. J'avais rien mangé, j'avais rangé toute la maison. J'avais tout fait, ils font ça, eux. Bref. On est là, on vit en communauté. On vit avec des gens, tu peux pas leur faire confiance. C'est fou quand même. Non mais comme on dit, le plus sympathique. Méfiez-vous du plus sympathique, hein. Non mais attends. Elle me Vous savez qu'il y vient. a un concours de Elle me Mister vient le France? soir, elle me Tout le dit monde s'en quoi? fout. Tu veux que je te fasse un riolet? Ben non, vas-y, garde-le ton riolet, c'est pour faire ça après. Attends, elle est Moi, en gentille pour plus, hier, cette je t'ai fait femme. un riolet et Qui était tout. pas bon, qui était sucré. Bah, si. Non mais j'ai pas envie de parler. En plus, cette fois, en plus, j'avais trop peur Mais qu'elle ait fermé arrête, la même quand je fenêtre. ferme La la fin. porte, La tu ouvres porte. avec un couteau, t'es une malade. Oui, je sais. Ben voilà, Parce qu'en alors fait, que moi, c'est j'ai une dangereux. technique en mode même quand la porte elle est fermée à la clé de la salle de bain, j'arrive à l'ouvrir avec un couteau et tout. T'es malade, cette Et meuf. là, j'avais trop peur d'utiliser et tout le couteau, non. Et en fait, elle l'avait laissée ouverte. Comment ça se fait d'ailleurs que tu l'as laissée Parce ouverte? que chaque fois, vous m'engueulez, vous me dites, ouais, faut laisser ouvert, imagine, t'arrives un truc et tout, faut y sortir. C'est bon? Non, mais est-ce que c'est bon? La vidéo est terminée? Vous avez bien rigolé? Vous avez eu votre vidéo? Vous êtes content? J'espère, en tout cas. Pire, c'est qu'ils me disent, va à la douche et tout, maintenant, comme ça, on fait la vidéo après. Oui, d'accord. Faites, va à la douche, comme ça, je te mets la poule dans la gueule, quoi. C'est très simple. Non, mais imaginez-vous, parce que vous vous dites, ouais, c'est qu'une poule, mais parce que ça, c'est ma phobie. Imaginez-vous un truc que vous avez trop peur. Negin, elle a trop peur des insectes. Ça peut être un faux insecte, la peur. Imaginez, je lui jeter des insectes dans la douche. Non. Voilà. Vous voyez? Non. Tout simplement. Et encore, moi, c'est un faux truc. Ça veut dire que il peut rien lui faire, le truc. Il ne peut rien lui faire parce que c'est un faux truc. Ça me dit, je lui jetais ça. Donc voilà. Hein. À un moment, il faut se mettre à la place des autres. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Voilà. On va finir la vidéo sur ça. Dites dans les commentaires, est-ce que ce qu'elle a fait, c'était un minimum drôle? Bah oui, c'est drôle. Que vous pensez qu'il faut que je prenne ma revanche ou pas? Non. Moi, j'en ai pas envie parce que moi, je suis pas dans ce. Dans ce truc de oh, allez, on se jette un truc dans la douche, c'est Ouais, trop bah voilà, drôle. on va. J'ai dû jeter des cafards là, dans la Non. douche. Tu vas pas être bien, ma belle. Non, tu peux pas faire ça. Bah ouais. Si tu fais ça, tu vas voir. Moi, j'aime pas du tout ça. Non, mais attends, encore, c'est des faux les miens. Elle est drôle, elle. Toi, tu me ramènes une vraie poule. Moi, je te fais pas ça, hein. Elle est malade. Bah ouais, je pas envie. Bah ouais, hein, j'ai pas envie. Moi, je suis la star. Je fais tout à tout le monde. Et moi, par contre, on fait rien. MDR. On n'est pas dans le monde des Bon allez, bisounours. moi aussi, il faut que je me prépare un peu là, parce que Moi, j'avoue, t'es pas belle. c'est pas que je suis dégueulasse là, mais un peu Mais quand c'est que même. t'es un peu dégueulasse, voilà. Purée. Hein. Non, mais attendez, je suis Ouais, je sais pas choquée. si je me maquille en fait aujourd'hui. J'ai même pas envie. Quand l'envie n'est pas là, ben on le fait pas. Donc, à voir. Guys, s'il vous plaît, dites dans les commentaires qu'elle ne me jette pas d'insectes, de cafards, de gens, je sais pas quoi, même si ils sont faux, parce que moi j'ai la phobie même des faux, dessus, parce que sinon je serais pas bien. Donc merci, je compte sur vous. Et je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez quand même un peu rigolé. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo. Et je vous dis à très bientôt. De toute façon, on va tourner d'autres petites vidéos aujourd'hui. La vidéo du McDo, une autre vidéo, tout ça. Avec Diana, sûrement. Donc voilà, on vous laisse là et on fait des gros bisous. Ciao!